Voilà, donc salut à toutes et à tous. Pour cette petite vidéo que je fais, je vais vous présenter Z, l'éclair blanc, enfin l'éclair blanc, ça c'est le nom du skin. Z, maître des ombres, donc le nouveau perso de la ligue qui est sorti hier. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pu faire de vidéo depuis très longtemps. C'est un peu bête de pas faire de vidéo parce que c'est le début de ma chaîne, donc forcément elle n'a pas pu me faire beaucoup d'abonnés avec le temps que j'avais. C'est que j'ai des problèmes avec mon PC. Du coup, j'ai recommencé à faire des vidéos que la vidéo de Cartus que j'ai postée vite fait pour. Voilà quoi, vite fait. Donc, cette vidéo de Cartus, c'est une vidéo où j'ai fait du 1 contre 4. Bon, après, Cartus, c'est un peu OP quoi. T'appuies sur E, t'envoies des petites boulettes, t'appuies sur R quand t'es mort, tu fais un quadra ou un penta, c'est à tout le monde. Donc là, la composition de l'ultime. Alors, c'est Varus. Z, donc moi, Timo, Lux, Malphite contre Katarina, Caitlyn, Irelia, Amumu, Nidalee. Donc deux teams plus ou moins équilibrés. Alors moi je vais vous présenter Z en tant qu'AP mid, donc au poste de mid. Après, on a donc Z contre Katarina, Irelia contre Timo, Amumu contre Malphite. Bon, ça c'est. Au passage, Malphite c'est un très bon ami à moi. Voilà. Après, on a Nidalee support, Lux support, donc deux supports très exotiques, peut-être marrant. Varus, Caitlyn, du POC. En gros, la botlane exotique. POC, POC, POC. Non, bah, je vais attendre tranquillement que la game se commence et puis je vais commencer à vous expliquer un peu ce perso. Alors, pour commencer, Z, c'est quoi? Alors, Z, je vais expliquer son histoire rapidement. Alors, Z, en fait, si vous vous intéressez à l'histoire de League of Legends, il a été entraîné avec Shen par le même maître. En sachant que Shen était le fils du maître. Z et Shen se traînaient ensemble, mais quand ils faisaient des combats, des duels, ça finissait toujours à égalité. Du coup, Z il n'aimait pas trop ça. Et un jour, Z était dans le temple donc où vit le maître, et il a trouvé une boîte qu'il a ouverte, un réceptacle. Et dans ce réceptacle, il y avait donc une puissance des ombres maléfiques, et puis ça l'a rendu surpuissant. Et après, il a refait un duel avec Shen. Et il a défoncé le maître. Après avoir vu ça, après avoir vu que Z utilisait la puissance du mal, la puissance des ombres, tout ce que vous voulez de maléfique, il l'a banni. Donc Z n'était pas très content de ça. Et Z donc est revenu quelques temps après avec des disciples de l'ombre et a donc tué le maître et rasé la plupart des villageois. C'est juste Shen qui a réussi à s'enfuir et a sauvé des villageois, donc est parti. Et donc le maître, avant de mourir, lui a dit: j'aurais dû te tendre la main plutôt que de te bannir. Enfin, en gros, voilà un truc. Voilà, donc l'histoire de Z, c'est ça. Ensuite, c'est un personnage qui dispose de l'énergie, comme Shen. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ben après, il faut savoir que c'est un assassin. C'est pas comme Shen. Hein. Vous n'êtes pas Shen, vous n'arriverez donc jamais à tanker 10 000 personnes et à sauver un allié de la mort. Non, c'est pas ça. Lui, c'est plutôt t'arrives, tu one shot, tu t'en vas. Voilà. Donc voilà, la partie commence. Alors. Oula, petit freeze. Donc voilà, moi je vais start au bout de potion pour le mid. Après, au niveau des runes, je prends la page d'AD classique, c'est-à-dire 15 AD, 13 résistance magique. Non, c'est pas ça. C'est. Oui, c'est ça. Et 15 armures, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, bon. La tentative de reconnexion, vous inquiétez pas, c'est rien. Alors, donc oui, donc en ce moment je ferai plus de guides, je pense, parce que là j'ai pas pu baisser, mais je me suis acheté un bon PC. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est un Republic of Gamer, carte graphique GTX 160M, Intel Core i7, 8 Go de RAM, enfin bon, très bon PC. Avec ça je peux faire des bonnes vidéos, Full HD, ce que vous voulez. Donc voilà, donc je vais baisser un peu le son de LOL parce qu'on sait jamais hein, quand même. On sait jamais. J'ai l'impression que c'est fort du coup. Voilà. Alors starter, donc bout de popo. Alors, après son stuff dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire si vous êtes contre un AP mid, je vous conseille de vite prendre le X-Trinker,
qui pourra vous sauver la vie à de multiples fois. Après, pas forcément finir la gueule de Malmortus. Hein. D'ailleurs, cette game, il me semble que je vais prendre Xtrinker et le revendre par la suite. On va voir. Il me semble que c'est ça. Ouais. Donc là, bah, je vais aider mon ami à faire les loups. Hop. Le problème, c'est que là, j'ai poule. C'est pas normal. Voilà. Là, regardez. J'ai failli donner une attaque. J'ai failli lui voler un loup. J'ai failli faire le connard. Alors, le A de Z. Le A, c'est pas compliqué. Hein. Z, il envoie un shuriken. Voilà, ce que vous avez à savoir. Un peu à la Kennen, à part qu'il traverse les sbires. Alors, il a la même range que le shuriken de Kennen, mais il traverse les sbires. Voilà. Après, il peut se faire en deux fois avec le club. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir. Alors, après, le passif. Alors, le passif qui est plutôt pas mal. Ah, le passif, en fait, c'est quand même un dread, mais... Enfin, je vous explique mal, en fait, là. C'est pas un madred, en fait. Quand la cible a moins de 50% de ses points de vie, vous luttez après 6% plus fort. Et cet effet se déclenche toutes les 10 secondes. En gros, c'est comme le passif de Tarvan, mais en moins bien. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Hop, je farm. Donc, au début, je fais un peu dominer, hein. Parce que mon kata en early, c'est pas très simple, on va dire. Voilà, c'est de prendre le max de l'astite. Alors, le passif pour l'astite est vraiment extra. Hein. Vraiment, il est génial. Alors, ensuite, voilà, donc je peux juste une potion. Alors, le passif, voilà, c'est ça. Le A, je vous ai expliqué, c'est un shuriken qui traverse. Alors, le Z. Le Z, en fait, c'est le plus compliqué, je pense. Vous invoquez une ombre devant vous, et cette ombre copie les sorts que vous faites. En gros, si vous mettez une ombre et un shuriken après, ben, l'ombre, vous voyez l'ombre, elle copie mes sorts. Donc là, je vais flash pour l'avoir. Hop, premier sang. Donc là, l'ombre, elle copie les sorts que je fais dans le même angle. C'est-à-dire que si jamais vous tapez la cible avec votre sort vous-même, l'ombre ne prendra pas la cible pour focus elle-même non plus, en fait. C'est-à-dire... que c'est pas auto-ciblant sur la cible que vous voulez, c'est à votre angle de vue. C'est-à-dire que l'ombre, vous l'invoquez, elle regarde devant, et ben elle va faire les mêmes sorts que vous regardez quand vous faites quand vous regardez devant vous. En gros, si vous mettez dos à l'ombre, ben elle fera devant elle. Voilà, c'est. Donc là, je prends ça. Alors le E. Le E, en fait, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour sur Katarina. Vous tournez autour de vous, et ça fait des dégâts plus ou moins importants. Alors le E, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque ennemi touché par la taillade, donc le E de Z, réduit le délai de récupération d'ombre vivante, c'est-à-dire l'ombre, de 1 seconde. Chaque ennemi touché par la taillade, c'est-à-dire ce sort copié par l'ombre, c'est-à-dire touché mais pas par vous, touché par l'ombre avec le E, bah, ça ralentira la cible de 20%. Et puis après, les ennemis touchés par les deux taillades, en même temps, prendront les mêmes dégâts qu'une seule taillade, mais ils seront ralentis de 30%. Voilà. Alors après, au niveau du Z, je vous ai pas expliqué deux trois choses. Alors, première chose, c'est qu'il est un passif. Alors, vous voyez Rabadon? Bah, pareil, on a des. Alors, au niveau 1, augmente les dégâts de 5%, niveau 2, 10, et au niveau 5, 25, enfin, c'est de 5 en 5, ouais. Alors après, le Z a une autre subtilité. C'est que les ombres de Z vont copier les compétences. Si une ombre frappe deux fois une cible, on récupère 20 points d'énergie. Bon, après, je trouve pas ça génial. Je trouve pas ça extra comme passif. Enfin, comme c'est un petit plus, quoi. C'est un petit plus. Donc là, je la race, je fais vraiment mal, là. Vraiment mal. Donc là, je back. Et regardez, je pars direct sur Xtrinker. Bon, parce que je sais qu'elle s'appelle Katarina et qu'elle peut toujours me défoncer la race. Voilà, ça s'arrête là. Alors là, je vais mettre une ward là. En fait, j'ai fail, si vous avez bien vu là. Là, j'ai interverti mon jalon et mes bottes parce que en fait, j'avais appuyé sur 1 et j'avais pas le raccourci. C'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'attends d'être niveau 6 pour lui canner mon ulti. Voilà, elle a ward dans mon bras que moi. Donc, hop. Hop, niveau 6. Un peu encore. Alors l'ulti de Z, il est pas très compliqué. Alors je vais vous laisser le voir et après je vous l'explique. Voilà. Alors en gros l'ulti de Z, il va vous... Ah, je vous laisse lire en même temps.
Vous devenez impossible à cibler durant un petit laps de temps. Et quand vous arrivez sur la cible que vous chargez, la cible est marquée et crée une ombre derrière la cible en fait. Et alors la marque qui est activée sur la cible, en fait, elle va exploser au bout de 3 secondes. Et là, elle va taper du 107, plus 20% de dégâts magiques. 107, plus 1%. Attendez. Plus 1% de dégâts magiques infligés pendant. Pendant la durée de la marque. En gros, je mets la marque sur une cible. Je tape du 600 avec mes sorts pendant l'application de la marque. Eh ben, je suis pas un pro des maths, hein, mais à peu près taper du 150 la marque plus les dégâts par rapport à la D, c'est-à-dire 106 actuellement. Donc après, ça augmente avec le temps, c'est 35% et 40%. Voilà. Alors au niveau des ratios, je vais vous les dire, mais il faut que je me renseigne. Là, je vais mettre une petite pause sur la vidéo et puis. Oh là, Iria qui s'y fide un peu. D'ailleurs, c'est elle qui va mieux nous faire chier en teamfight, vraiment. C'est elle qui va faire le taf avec Amumu. Et Katarina aussi, c'est pas mal hein, pour faire le taf. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai un peu bait Amumu, vous avez bien vu, pour essayer de donner un kill à mon jungler moi-même, mais non, ça suffisait pas. Donc là, on va farmer. Donc là, j'ai une avance colossale, donc j'en profite. Ah oui, oh, je voulais vous expliquer un truc capital. Avec l'ombre, quand vous activez l'ombre, vous pouvez vous téléporter à elle en réappuyant sur Z. Voilà. Enfin, téléporter, échanger la place en fait. En gros, votre ombre est devant vous, vous êtes derrière, vous appuyez sur Z une deuxième fois, vous échangez vos deux places. Voilà. Alors après, au niveau de ce qu'il faut up. Alors, en mid, je pense qu'il faut up le A pour Murras. En jungle et en top, je pense c'est plutôt le Z pour pouvoir gagner des dégâts en général. Alors là, vous voyez. Hop, je tue Katarina. La marque qui explose, le kill. Voilà. Donc là, hop, je ferme tranquillement. Alors là, je décale. Ouais, il me semblait. Non, j'allais faire juste mes fantômes en fait. C'est même pas je décale. Ouais, donc là, on est en normal game. Hein. C'est. Parce que je fais un petit guide sur Z, mais je suis pas du tout un pro du personnage, hein, faut le savoir. Alors après l'extrinker niveau stuff, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Moi, je vais partir sur l'item à gold. Alors l'item à gold, je vais tout vous montrer comme ça sera plus simple. L'item à gold qui me permettra, donc la lame d'avarice, qui me permettra de faire ma lame spectrale de Yumu, qui est un très bon item avec Z, puisqu'il vous donne de la pénétration armure. Tous les sorts de Z sont un dé, donc la pénétration armure c'est vraiment OP. Des dégâts à l'attaque et des critiques. Et délai de récupération. Enfin, c'est un très bon item sur Z. Je vous conseille vraiment. Essayez de faire plutôt plus vite la lame d'avarice que le brutaliseur pour l'apport en gold par seconde que vous gagnez. Voilà. Donc voilà. Ensuite, niveau stuff, bah, ça dépend. Soit vous voulez deal vraiment du dégât et vous partez direct sur une soif de sang. Et dans ce cas-là, vous allez vraiment faire, vous commencez à faire très mal. Donc là, je vais essayer de gank, mais bon, c'est complètement nul parce qu'en fait, elle va mettre sa ward et moi je crois qu'elle va rester dans le buisson, donc du coup, je vais y aller. Mais après la ward, du coup, c'est vraiment inutile. Voilà. Donc là, bah, hop, je deal. Ouais, je vole le farm, tu vois, je suis un connard, ouais, complètement. Ouais, elle commence à me faire mal, vous voyez. Alors là, je vais retourner à ma mid lane. Après, enfin, en fait, non, même pas. J'ai une bonne mémoire, on va switch. Parce que j'ai vu Iria au mid et j'ai vu Katarina au top. Du coup, on va switch, logique. Voilà. Donc là, je deal un peu sur Katarina. Vous allez voir, Z, t'as vraiment très fort. Alors là, il y a SS mid, du coup, je recule. Par peur, parce que j'ai pas de ward. Parce que moi, au top, si j'ai pas de ward. Je n'overextend pas. Alors, ce overextend, je l'explique, c'est en gros quand vous êtes trop avancé par rapport à votre lane. En gros, vous voyez ma souris là, quand vous êtes derrière cette ligne là, enfin vers votre tour, vous n'êtes pas trop overextend. Mais quand vous dépassez ça, vous êtes vraiment overextend et le jungler pourra vous gank beaucoup plus aisément. Donc là, je vais aller à la bot lane parce qu'il s'est passé un peu les coucouilles, hein, parce que. L'Aerial elle a gank, puis ça a fait une doublée, enfin bon, c'est pas top quoi. Donc là je vais dire à mon mate,
Ouais, attends un peu et tu veux ulti. Donc là, il attend. Et je lui dis go, je suis là. Boom. Donc, je vais rush un peu tout le monde. Mais après, je vais rush la Nidalee, il me semble. Ah non, là, Irelia direct. Parce qu'en fait, Irelia, c'est elle qui va vraiment carry la game après. Donc là, je l'ignite pour être sûr. Hop. Elle a flash. Mais je la suis. Mais je vais fail, malheureusement. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Donc là, lui, il va mourir par contre. Voilà. Donc là, je suis déjà à 5-0. Et vous allez voir que la game va pas se finir aussi vite que ça. Parce que 5-0 avec Zed, c'est pas comme 5-0 avec Irelia. Vraiment pas. Donc là, on a vu Katarina. On a vu que c'était du 4 contre 3, 5 contre 3, pardon. Mais qu'on avait plus de vie pour deux personnes. Et que je vous explique un petit truc, c'est que quand vous êtes 5 et qu'il y a une Katarina en face et qu'il y en a deux dans votre team qui ont beaucoup plus de vie, Katarina va s'amuser un truc de fou. Par exemple là, elle rush sur Malphite, elle one shot. Elle rush sur moi, elle one shot. Elle rush en plein milieu des 3. Tout le monde est mid life à cause de la dague qui a rebondi pendant les deux one shot là. Et bim, ulti. Elle fait un penta. Ouais, parce que là, c'est vraiment abusé quand il y a des cibles low life. C'est-à-dire, ouais, quand il y a 2-3 lives dans un team fight, vous faites vraiment le café grâce à votre passif, qui est dès que vous tuez un ennemi, tout vous sort refresh. À part l'ulti qui perd juste 15 secondes. Donc, vous voyez, après, je pars sur mes bots. Oh, c'est un choix. Les bots de Mercure, je sais pas, je sais pas encore s'il veut prendre bots de Mercure ou Berserk. Mais moi, j'aime être tanky quand même. J'aime pas être un bourrin, même avec un pur assassin. Bon, je vous avoue quand même que j'ai déjà fait une partie avec Katarina, avec Zed, où j'ai pris 4 BT, un dernier souffle et un autre fantôme. Je vous le mens pas. C'était même marrant d'ailleurs, c'était marrant, c'est très marrant. Mais bon, on a gagné, mais de justesse, hein, parce que c'est pas un stuff vraiment énorme au final. Donc voilà. Donc ensuite il faut partir sur un. Bah moi après c'est mon avis, parce que moi je joue plutôt tanky Z. Donc après sur un Mei gelé, et puis après faire un ange gardien assez vite dans la game. Moi l'ange gardien je l'ai fait à la fin, bah c'est peut-être une erreur parce que le faire plus au début, ça m'a redonné le passif de l'ange gardien plutôt dans la game, et peut-être ça aurait donné l'avantage, voilà. Donc là hop, elle flash, hop, le flash derrière elle, ça la désoriente et je la tue. Donc là vous avez vu, j'étais sur mon clone, du coup ça l'a un peu désorienté, enfin, ça sert un peu à ça aussi. Hein. Ça sert aussi à faire des grosses escapes du genre vous placez le clone à un endroit. Après ça, vous baisez une cible pendant 3 secondes et vous retapez sur votre clone même s'ils sont 5 sur vous, ils pourront pas trop. Donc là, je vais traiter d'OP champ parce que je suis nouveau, bon c'est normal hein, mais bon. On va voir au fur et à mesure dans la game que l'OP champ entre Amumu, Zed et Irelia, je suis le dernier. Hein. Vraiment. Et puis une Katarina qui dit OP champ, et puis c'est assez drôle quand même, hein. Vraiment. Hein. Non, parce que des OP champ, dans les derniers persos, il y en a eu. Il y a eu Diana et Darius, je suis d'accord. Mais à part ça, il n'y a rien eu. Hein. Le reste. Enfin, Rengar, il était nerf. Oui, Rengar, il était abusé, c'est vrai. Kha'Zix, il n'est pas joué. Pourquoi? Parce qu'il est. Il est pas, je sais pas, il fait pas, il est pas assez fort apparemment. Syndra, est-ce qu'elle est jouée? Non, elle est pas jouée. Bah non. Puis voilà, Zed, on verra bien dans 2 semaines s'il est joué. Parce que honnêtement, vous verrez au fur et à mesure de la game que je suis moins utile parce que je peux one shot un mec, mais vite fait quoi. Donc là, vous voyez, je mets mon clone là-dedans pour me TP. Et bim, je la défonce. Donc là, on va chase un peu Irelia. Donc là, je pourrais pas l'avoir à cause de ça. Et de ça. Elle a vraiment peur quand même. Elle aurait pu juste mettre son dash et pas mourir. Mais elle a décidé de faire dash plus flash. Ouais. Bon, après, j'avais mon ulti et Malphite. C'est vrai que. Je sais plus si je vais la dive. Ouais. Je crois que je vais la rush. Ouais. Comme un bourrin. Voilà. Je mets ça. Et ça explose. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai mis la marque. Donc j'ai rush sur elle et ça a appliqué la marque. J'ai fait un max de dégâts avec mon A. Et mon E, je me suis TP avec mon Z pour fuir. La marque a explosé. Quand j'ai fui, elle est morte. Alors vous allez voir qu'on a une Lux support qui m'a KS beaucoup beaucoup de kills après. Après ce kill, il me semble j'ai combien de kills là? J'ai 7 kills, non pas encore, pas encore. Donc là, j'ai le golem vite fait. Moi, je mange des chips, je sais.
Des Monster Munch Ketchup, c'est bon comme j'aime bien. Bon. Donc là moi je vais partir direct sur ma BT. Sans même finir mon. Ouais, je vais quand même commencer mon brutaliseur. Pour ma. Comment s'appelle cette arme déjà? Ouais, pour ma Yumu. Je vais même pas prendre quand même une gueule de Malmortus parce que j'en ai pas besoin. Enfin, je sais pas que j'en ai pas besoin, c'est que. Ah, je n'ai pas besoin en fait, ouais. C'est un item pas très fort avec ce perso. À part si vous faites défoncer. Là, ouais. Bah, c'est fort après, hein. Si vous le jouez vraiment beaucoup tanky. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai pris ou pas. Parce que des fois, je la prends, des fois. Donc là, mon ami me donne le rouge. C'est cool. La Irelia commence vraiment à faire peur là. Donc le switch du mid et du top, donc Katarina et Irelia qui est en switch. Bah, parce que la Katarina, bon, elle fait du combien? Elle fait du 1-5. Voilà. Donc après ça, je pars sur ma lame de Yumu, ma BT, mon Malmortus, mon Maille Gelé et l'Ange Gardien. Je pense que ça va être mon core build de cette game. Donc je vais avancer un peu la game parce que je vous ai dit beaucoup de choses. Et puis là, il n'y a rien d'intéressant à voir, enfin, du farming quoi. Je vais avancer la game aux phases de teamfight pour que ça vous soit intéressant. Voilà. Ah, je vais vous mettre tout en accéléré, c'est pas beau? Enfin, en accéléré fois 10 000, hein. Sinon, je peux faire un truc. Ouais, non, bon. C'est passionnant, hein. Mais je pense, je ferai une ellipse. Ouais. Pas très passionnant là. Ouais, je suis mort, je vais mettre en accéléré x1 quand même parce que c'est un peu abusé là. Voilà. KS numéro 1. Même pas mort les mecs. Le Varus qui poche la botlane tranquillement. Alors vous voyez, j'ai pris ma Yumu, je continue mon Maillet Gelé et je commence, je continue ma BT également. Voilà. Ah, elle est morte, KS, encore une fois. Je m'énerve un peu, ça m'énerve un support qui me prend tout quoi. Donc là, on se fait dominer complètement. On se fait vraiment laminer.
C'est reparti. Alors, le champignon qui tue Katarina. Donc là, je vais partir sur mon dernier souffle. Parce que la Irelia a 300 d'armure en face. Du coup, c'est pas très bien pour moi. Alors là, ça va être la merde. Là, on a gravement l'avantage, voyez-vous. Mais regardez. Hop, Katarina, elle arrive. Elle fait le gros café. Puis là, on s'est fait encore retourner. Ouais. On s'est fait encore une fois retourner. Irelia qui essaye de push. J'arrive pas à me mettre sur la vision de. Ah voilà. Ah, il me fait plaisir au niveau des golds. Mon ami me laisse le bleu, le rouge, pardon. Je back prendre mon dernier souffle, il me semble. Ouais, c'est bien ça. Voilà, hop. Alors, ouais, le combo avec Z, c'est. Vous avez plusieurs combos. Soit vous rushez la cible avec le R, et vous faites le max de dégâts et vous fuyez avec le Z. Soit vous rushez la cible avec le Z et le R pour, voilà, pour la range. Et vous aurez plus d'escape, donc voilà. Voilà, je fais le fou. Je la tue, mais au détriment de ma team. Voilà, j'ai fait de la merde. En fait, j'ai vu que ma team suit un peu plus parce que là, j'ai one shot le carry. Et one shot le carry comme ça direct, c'est utile. Donc peut-être j'aurais dû prendre la kata. Ouais. Là, c'est reparti. Oula. Qu'est-ce que ce bug? Ça c'est mes marames, je pense. Ouais, je sais pas. Donc à partir de maintenant, on va faire que gagner les teamfights, me semble-t-il, et ça va faire la différence. Enfin, que gagner, on va les gagner vite fait quoi. Oh, ça bug beaucoup là, je sais pas si vous vous aussi, mais. Alors là, on va les retourner. Hop, j'ai tué elle. Ah non, en fait, j'ai tué que elle en fait. Putain, encore une fois, on a perdu ici. Mais non. Ah non, non, non. Là, on va aller retourner au Nash. Voilà. Ah, ils vont pas le faire. Moi, j'étais chaud. Moi. Donc là, on va push. Enfin, moi, je vais push la mid lane, il me semble. Donc là j'ai pris mon maillet gelé. Et donc là je vais partir sur mon last item qui est ange gardien. Là je vais acheter armure potion il me semble. Et hop. Mes alliés vont les engage au Nash. Ils vont complètement les retourner plus ou moins. Puis je vais arriver.
Et faire le café quoi. Oula, putain ça. Ah, je vais essayer de la baiser, mais en vain. Et puis là, ce qui veut faire retourner un peu la game. C'est-à-dire qu'on va push 2 tours et un inhibiteur, tranquillement. Et ça aide vraiment. Alors elle, je sais pas pourquoi elle a fait ça. J'ai pas compris. Et voilà. Et donc là, on est plutôt bien dans la game, on s'est bien remis toute la merde qu'on avait fait avant. Et donc là, j'ai un gradien, je suis full stuff. Mais le GA, j'aurais dû le prendre avant. Parce que là, c'est un peu late pour la game. Enfin bon. Donc ce guide de Z n'est pas très complet, c'est-à-dire que je parle pas beaucoup. Tout simplement parce que Z, c'est un perso que je joue pas beaucoup. Et puis, que j'ai acheté hier, hein, parce qu'il est sorti hier. Mais j'aime bien aider les personnes qui savent absolument pas comment le stuff, vu qu'il est nouveau. Donc là, si on restait, on faisait une grave erreur. Donc je leur ai dit de partir. Voilà. Attends, sur le chat, j'ai dit de partir à mon pote surtout. Donc là, regardez. Hop, elle a flash. Si elle aurait pas flash, elle était morte. Voilà. Hop. Je prends mes deux potions qui restent et je continue. J'ai c'est reparti. Donc là, je suis full stuff. Donc là, ça va être bientôt le last team fight. Bah, qui va être. Ouais, pas loin d'ici. Bah, ouais, ici. Donc là, hop. La Caitlyn, hop. Elle est morte. Ça explose. Moi, j'ai le Jack qui. Et je me fais instant malheureusement. Mais on a le Teemo qui va faire le taf. Donc il va faire bah, une triplée. Hein. Enfin une triplée. Lux en a volé un, hein, normal. Et puis là, là c'est la fun game. Hein. Donc GG well play. Puis voilà, bah, je vous ai un peu montré ce guide. Ce guide de. Ah non, en fin de compte, ce n'est pas encore la fin game parce que Teemo a décidé de tout push l'étoile. Et de pas encore finir. Bon. Donc moi. Hop. C'est reparti. Donc là, j'ai vendu Mayumu pour une autre BT. Puis là on va faire le Nash. Ça ils peuvent pas les défendre s'ils ont deux inhibiteurs de PT. Donc ça pourrait leur faire perdre la game en fait. Donc voilà. Donc là, bah c'est la fin. Hop, j'engage les Irelia, Malphite Culti. Irelia Culti, Varus et le Teemo qui ont tous les deux. Non, que Varus et Inja. Et puis c'est le Surrender. Donc voilà. Donc ce petit guide sur Z. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il a été complet pour vous. Je pense l'améliorer quand j'aurai une meilleure maîtrise du perso. Et puis voilà. Puis voilà. Allez. À une prochaine.